Salut les amis, c'est Jodie Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode de Suite Doll. Eh bien oui, Halloween est passé. Je tiens à préciser, pour ceux qui sont habitués, donc comme vous savez, d'habitude normalement une semaine, enfin un mercredi sur deux c'est Suite Doll et l'autre mercredi c'est 2J1P. Malheureusement, Yayo a quelques petits soucis d'enregistrement, donc il n'a pas pu, enfin quelques petits soucis pour enregistrer, donc il n'a pas pu jouer ni m'envoyer la partie. Donc, tant que je n'ai pas récupéré la partie, vous aurez du Suite Doll, voilà. Il y en a qui m'ont envoyé des messages concernant le fait qu'ils désiraient, faire leur propre 2J1P. Et moi personnellement ça ne me dérange pas. Tout ce que j'aimerais c'était un petit lien vers les chaînes de Yayo et la mienne en dessous de votre vidéo. Mais en tout cas c'est Yayo qui a créé le concept, donc vous devez avoir son avis, c'est pas moi du tout qui l'ai créé, donc voilà. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on compte faire avec nos petites dolls? Eh bien, on essaye toujours d'avancer avec les carrières de chacun, d'essayer de gagner un maximum de sous. Pour tout simplement essayer de pouvoir se faire une maison plus grande, c'est un de nos objectifs. Entraîne-toi. Je veux un morceau, vas-y. Voilà, comme ça. Donc voilà. On essaie vraiment de pouvoir bien avancer, on continue, on va essayer de... chacune des dolls est au bout de la carrière. Bon là on est qu'une vedette en groupe de technologie. Toi tu veux vite aller hop, faire tout ce qu'il faut, prendre une douche. Ah bah ça va, il bosse pas demain. On va éteindre la musique, hop. L'ami Sissi, ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle devait faire. Ça va, ça avance. Notre petit gars, lui, il prépare à manger pour pouvoir grimper dans sa compétence Hop, allez, vas-y, range-moi ça. Ah, t'as fait que 25%? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Mais donc je pense qu'on va vraiment privilégier ça. On va vraiment d'abord essayer de se prendre une autre maison avant d'améliorer tous les objets. Parce qu'au départ je vais vraiment améliorer tous les objets. Mais je me dis que non. Une nouvelle maison, ça... C'est un peu plus urgent quoi. C'est un peu plus urgent. Écrire un livre de genre poésie. Allez, hop. Voilà. Hop. Cuisiner, il va cuisiner un petit déj pour tout le monde. Hop. Voilà. Voilà. Amis, ce que j'ai peut-être essayé même de faire, c'est de construire la maison en hors caméra. De préparer la maison. Donc ça serait vraiment une belle grande maison. J'aimerais vraiment une belle grande maison avec piscine. Ça pourrait vraiment être cool avec peut-être même 4 chambres pour au cas où ils auraient des enfants, des choses comme ça, mais qui vivent toujours en coloc. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des macaronis au fromage. Il nous reste encore des plats à faire. Notre petite miss. Jouer d'un morceau traditionnel. Ah, l'autre il a la dalle, lui c'est fait. Ok, super, casé a terminé. Allez hop, tu vas dormir. Toi, tu vas dormir aussi. Et toi, tu vas... Tu bosses demain ? Tu vas dormir aussi. Et toi, hop, tu vas me ranger ça. Ok, ils ont tous terminé leur tâche. Waouh, on y est arrivé. Super. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc il y a qui travaille demain. Il y a lui. Lui ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Et elle non plus. Donc il y a que Yann qui travaille demain. Enfin, qui travaille. Voilà. Donc ouais, ça pourrait être bien. On va essayer. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire d'autre?
pour gagner en vitesse des sous. Je pense qu'on va essayer d'aller choper des trucs dans le coin, des poissons et tout ça, pour essayer de les revendre. Je me dis que ça pourrait être vraiment cool. Hop, ouvrir. Ouais, hop, prendre une torsion, voilà. Mange-nous un petit bout. On va essayer de faire ça dès qu'on a fini. Ouais, je vais vite reprendre une douche. On va essayer de d'aller choper des trucs, quoi, des fossiles, parce que je crois que vraiment il faut vraiment qu'on les revende tous. Ouais, d'ailleurs il y a plein de choses que je vais revendre, je pense. Je vais revendre ce truc là parce que c'est bien cool, mais on pourra commencer toutes ces collections là plus tard en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai pas envie de stagner. Ouais, ça n'a pas rapporté grand chose. Bon, le reste c'est des toutes petites choses qui m'ont coûté rien du tout. Donc ça va. Je regarde ce qu'on a sur nous. Ouais. Bon. Toi, tu as faim. Ouvrir. Qu'est-ce qu'on va... Donc toi, où est-ce que tu vas aller explorer, mon grand? Tu vas aller explorer où? Ah, voilà. Ici, là, il y a un truc. Creuser. On va peut-être essayer d'économiser aussi avec la miss, qu'elle puisse récupérer. On va le vendre aussi. On en a un peu rien à foutre de ce truc là. On l'a juste, moi je l'avais juste pris pour Halloween les gars, donc voilà. Les grenouilles aussi, je crois qu'on va les revendre. J'ai vraiment envie de gagner des sous, qu'on avance avec ce let's play, je vous jure. J'aime beaucoup ce let's play, hein, mais je trouve que pour moi on stagne un petit peu trop. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve qu'on stagne beaucoup trop pour le moment et que donc du coup voilà quoi. C'est pas top. Bon, toi c'est bon, il va aller récupérer le truc. Elle, quand elle aura fini, elle va aller aux toilettes, elle va prendre sa douche. Et je pense bien que je vais peut-être lancer les filles dans le jardinage. Récolter les produits, parce que je me dis que ça pourra nous faire de la bouffe. Et il y a certaines choses qu'on pourra peut-être même revendre, donc... ça va nous faire des économies sur plusieurs points. Toi. T'as trouvé quoi? Ah, il a trouvé une carte au trésor. Ah, ça c'est super, ça tient. Oh. Et je vais lui faire récupérer les plantes. Elle. Ah, ah, ah. Attendez, je vais aller voir par là. Ah, ici. Creuser à la recherche d'un trésor. Creuser. Elle. Récolter les produits. Récolter les produits. Voilà. Creuser. Creuser. Récolter les produits. Hop, chercher des grenouilles. Il faut vraiment qu'on trouve un max de trucs. Récolter les produits. Creuser. Ouais, ça m'a l'air bien là ce qu'on a fait. Je peux pas aller plus par là, non. Je peux pas. Je vais bien avancer. Est-ce qu'il y a des trucs en face de l'autre côté? On peut traverser l'eau, je pense, un endroit. Pas traverser l'eau à un endroit, j'avais en tête qu'on pouvait traverser l'eau à un endroit. Ah voilà, oui, si j'avais raison. La miss, ouais, ah ouais, si la miss elle peut clairement récolter les produits. Voilà, récolter les produits. Ok, et lui va aller creuser et creuser. Alors, oh, il a trouvé une poupée vaudou. Ah, ça c'est super ça. Bon. Notre petite ici, comment est-ce que tu te sens?
On va les laisser faire. Lui, il roupille toujours. Vas-y, prends une douche, ma belle. Voilà. Ouh là là, Yann, pauvre Yann. Ouvrir, est-ce qu'on a... Ouais, on va prendre un plat comme ça. Ah, Gabriel a détaillé une capsule encore, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ben, c'est bien ça. Allez, rentre à la maison. Oh là, la pauvre, elle est fatiguée. Oh, la pauvre, elle se sent pas bien. C'est pas cool. C'est pas cool. On essaiera d'aller, à mon avis, dans le prochain Let's Play, dans un autre quartier, voir si on peut peut-être trouver encore d'autres petites ressources pour nous. Ouh là là, vraiment pas bien, là, la petite petite. Si je fais ouvrir, est-ce que je peux les ranger dedans? C'est nickel, oui. Aussi. Je vais peut-être ranger quelques plantes. Enfin, mettre quelques plantes ici. 1, 2, 3, 4. Et là, les petits, les oignons. 1, 2, 3, 4. Et... Bon, y a un téléphone qui sonne. À vous discuter, ça sera bien. 1, 2, 3, 4. J'espère que je pourrai les planter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, voilà, donc on a mis ça. Toi, comment tu te sens, mec? Oh! On va vendre ça. Ok. On va revendre ça. Ok. Ok. La poupée voodoo. 950 que ça se revend. Oh, c'est trop cool. Ouvrir. Ok. Ouvrir. Ok. Ouvrir. Ok. Voilà, bon, on s'est fait un petit peu de sous comme ça. Hop, s'asseoir. Toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui... Ouh là là, toi, il faut que tu ailles prendre une bonne douche. Ouais, je dirais même, tu vas prendre une douche... une douche médite. Voilà, comme ça. Toi, parle avec la miss. Technique de drague, peut-être pas, c'est quand même la meilleure amie de ta copine. Toi, rentre à la maison. Bon. Oh mais il m'a pété le truc là l'autre. Oh mais ce mec, je vous jure. Non, 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 tu me répares ça, moi j'ai pas envie de devoir racheter un autre truc. Hein. Je paye 1000 balles juste parce que toi t'es pas foutu de faire gaffe mec. Oh je vous jure c'est Sims. C'est Sims, je vous jure. Voilà. Vas-y, suis. Et au boulot. Au boulot. Ah mais tu vas être à la bourre mec. Ok, voilà, c'est super. Donc lui. Ah c'est nickel. Il est inspiré. Et il a fait sa tâche du jour, donc on va le faire travailler, hop, travailler, travailler dur, et c'est bon. Toi, tu vas aller t'asseoir ici. Il faut parler un peu avec ton copain, parce que là, oh, t'es vraiment belle. Commenter l'apparence, l'histoire incroyable, arrête de discuter. Toi, tu vas aller planter tout ce que t'as, ton ami, à planter, 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 planter. Moi je trouve qu'il devrait faire un kit de jardinage.
C'est une activité que j'aime encore bien faire dans les Sims. J'aime encore bien. C'est reposant de les voir faire ça. Ok, elle plante tout comme ça. Tu plantes tout comme ça à la one again, toi. Toutes les fraises sont... Comment est-ce qu'elle m'a planté mes fraises? Attendez, parce que là, ça ne me va pas, hein, mec. Hein. Et oh, girl, là, tu fais n'importe quoi. Laisse-moi te le dire. Tu m'as planté mes fraises. Cette fraise n'importe comment, Kazé. C'est pas normal. Allez. Là, tous les deux. Tu te sens mieux? Ah ouais, elle se sent beaucoup mieux là du coup. Ça c'est bien ça. Enfin lui du moins ça va, elle ouais. Lui, comment tu t'en sors mec? Ah lui il s'en sort bien je pense. Ok, il manque un petit peu de trucs mais ça va. Ah il y a déjà un buisson qui a été... qui a poussé, ça c'est bien ça. Et autour des oignons maintenant. Deux buissons. Pourquoi tu peux pas planter? Ok, d'accord. On va aller planter le long de la clôture ici alors. Ça sera mieux. Oh ce jeu. Oh là ce lag avec les... Étant donné le nombre de meubles que j'ai, c'est juste abominable. Le lag de ce jeu. Je vous le dis, moi les sushis. C'est juste abominable. Voilà. Planté. Voilà. Ok, lui c'est bon. Il a un petit peu faim. On va le faire bouffer un petit bout. Non pas cuisiner, ça on laisse rien faire parce que c'est lui pro, ouvrir. Tu vas manger une portion, voilà. Et toi tu vas l'aider. Non tu vas manger une portion aussi en fait. Tu vas manger une portion aussi. Il y a une ambulance qui passe comme d'habitude, vous avez l'habitude de ça. On va arroser tout, hop, comme ça, ça pousse bien. Et on s'en occupe bien. Mais elle est un peu nulle hein, pour arroser tout. Hein, parce que moi, je me rappelle quand j'arrosais le jardin de ma grand-mère, je faisais plusieurs plans à la fois. Hein. Je faisais bien ça. On va pas mettre de la lumière à côté pour que ça fasse comme dans Minecraft. Oh là là, bon. Bah ça, c'est bien. Un truc qu'on pourrait peut-être faire aussi, je me dis, c'est acheter un chevalet. Tiens, pour les faire peindre. On va acheter un chevalet pour les faire peindre, ça pourrait être vachement bien. Cette chaise là je vais la dégager parce que personne s'en sert. Je vais mettre le chevalet à la place. J'essaie limite d'optimiser tout parce que j'ai vraiment envie qu'on avance et qu'on puisse faire des trucs chouettes. Hop. Voilà, hop. On va aller dans les compétences. Activité, compétences, niveau tout ce qui est artistique. Je peux pas croiser d'autres objets, pourquoi des... Ah oui, les photos. Oh, oh merde, c'est vrai, les photos. On va les mettre là, non? Je me rends compte qu'on a 4 fois la même photo. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Là maintenant là vous allez voir c'est Jody la rapia là maintenant là c'est fait. C'est Jody la rapia. Bon les plantes ici sont arrosées. On va attendre que Yann revienne du truc pour enfin du boulot pour essayer de pour voir un petit peu si s'en est sorti. S'il aura réussi à nous ramener une belle petite promotion. Pas sûr. Ça serait bien. Oula, 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 qu'est-ce que tu veux, toi? Oula, d'accord, ok. Ah oui, mais il bosse le lendemain, ok. Ah non, il bosse pas le lendemain, ça va.
Elle, elle reste toujours dans le jardin, je l'ai oublié dans le jardin. Oh là là, ouvrière. Tu vas manger un truc, voilà, prendre une portion, c'est bon comme ça. Lui, il est crevé et il va regarder à mon avis la télé avec les filles. Oh merde! J'ai peur d'un truc. J'ai peur de... On va peut-être attendre Yann. Est-ce qu'il y en a qui ont des poids en réparation? Programmation... Ah, elle, elle a un point de bricolage. J'espère qu'elle va pas nous... Il a réalisé une... Ah super, une bonne performance au boulot, c'est génial. Bah écoute, tu vas aller dormir. Va dormir parce que là, il est crevé. Toi, ma belle, tu vas aller aux toilettes. Et tu vas aller roupiller parce que voilà. Bon bah les amis, on a rien de super méga folichon dans ce let's play-ci. J'espère vous proposer un let's play un peu plus sympathique. Bah la prochaine fois. Oula, le gros bordel qu'elle m'a laissé la miss. Un peu plus sympa. Je vous fais des gros bisous. Je suis contente quand même que les filles se soient mises à d'autres activités que leur métier de base. Un petit peu de jardinage, un petit peu de peinture. On va essayer de voir si on peut revendre leurs ressources, leurs petites trouvailles. Et voir aussi si on peut faire des peintures et les vendre assez cher aussi. Pour vraiment essayer de se faire un max de thunes. Donc voilà. Les amis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager et à commenter. Gros bisous !